Allez, troisième partie de la présentation de Mario Party 8 sur Wii. Donc, lors de la seconde partie, on s'était quitté sur la première étoile obtenue par Toad. Donc voilà, le but de cette vidéo est bien sûr de vous montrer tout ce qu'il y a dans, dans ce jeu. Alors, j'ai un bonbon bowling que je ne vais pas utiliser parce qu'il y a, j'avais très peu de chance de toucher Daisy. J'avais une chance sur 10, pour être exact. Elle était à 10 cases sur moi, et comme c'est un dé à 10 faces, eh bien, j'avais une chance sur 10. Mini-jeu combat. Donc, comme dans la partie 2, on va tous miser un certain nombre de pièces, et en fonction du score... 50 pièces, putain! Et en fonction du score qu'on va obtenir, eh bien, on gagnera plus ou moins de pièces. Là, il y a 129 pièces en jeu. Ce qui est quand même énormissime. Alors, sur quel mini-jeu on va tomber? Tel Guillaume. Donc, il va falloir viser le centre de chaque cible. Le centre de chaque cible, oui, exact. Donc, un jeu de précision. Je rappelle que je suis en bas à droite. Il va falloir tirer sur le rouge. Hein. J'essaie de faire 1000 partout, hein. De 100 partout. Hein. Ah, je me suis raté. Voilà, 1410. Ils ont fait un score tellement minable. Donc voilà. Donc Daisy est descendue d'une place. Donc vous avez vu le classement provisoire. Donc pour l'instant je suis premier avec 3 étoiles et 138 pièces. Deuxième c'est Wario, 2 étoiles, 32 pièces. Troisième c'est Daisy, 2 étoiles, 6 pièces. Et bon dernier, c'est Toad avec une seule étoile et zéro pièce. Et voilà Daisy qui arrive à Goomba pour avoir une troisième étoile. Donc l'objectif de ce niveau, je le rappelle, c'est d'arriver à Goomba pour avoir une étoile. Donc comme ici par exemple. Et de finir tous les tours du jeu. Donc là il y a 20 tours pour avoir... faut avoir le maximum d'étoiles. Bien sûr, avec la cérémonie à la fin, les étoiles bonus. Donc, ça m'étonnerait. Donc, j'ai prévu environ 4, voire 5 parties sur Mario Kart 8. Mario Kart 8, n'importe quoi, sur Mario Party 8. Et il en sera tout autant pour Mario Party 9. Qui sera juste après. Donc je crois que je vais le compter dans les jeux vidéo de Nekmao, celui-là. Donc le grand retour. Et j'obtiens ma quatrième étoile. Donc là je vais faire, je pense, une mini-série sur les jeux Mario. Sachant qu'il faut que je finisse aussi celle sur Sonic. Donc il y aura Sonic Colors encore. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je sais pas, il y aura plein. Il y aura plein, je sais pas encore. Mais comme j'ai Sonic Colors chez moi, je vous le ferai. Ouh, il m'a envoyé super loin le Pinta là. J'ai eu de la chance. Allez, un autre mini-jeu, je pense que ça va être du 2 contre 2.
Ah non, du 1 contre 3. Donc Wario contre moi, Toad et Daisy. Rigologramme. Donc c'est un puzzle, va falloir faire la forme demandée. Donc en arrêtant les cases au bon moment. Vous allez voir, c'est facile. Après, trop projecteur allumé. Alors, va falloir reconstituer un poisson. Un point pour notre équipe. Un nuage. Allez, voilà, 2 points pour nous. C'est n'importe quoi. Merde. Allez. Allez. Non. Oh, mais ils sont cons. Oh, ça va être juste là, les amis. Attention. Merde. Ouais. Voilà, on a donc réussi l'exploit de gagner cette partie. Le mec il en fait pas un petit peu trop. Ça fait donc 15 tours qu'on y est. On va donc rentrer dans les 5 derniers tours de cette partie. Donc vous allez voir que les règles vont un petit peu changer. Oh yeah, oh yeah, c'est l'heure du grand chamboulement. Oh yeah. Attention, ne zappez pas, il ne reste plus que 5 tours. C'est le moment de jeter un coup d'œil au classement actuel. Yoshi est en première position avec 4 étoiles 148 pièces. Daisy est en seconde position avec 3 étoiles 13 pièces. Wario est en troisième position avec 2 étoiles et 35 pièces. Et Toad est bon dernier avec 1 étoile et 10 pièces. Nous voici donc dans la dernière ligne droite, plus que 5 tours et tout peut arriver. Voici le tournant de la partie. Dernière chance. Les derniers seront-ils les premiers? C'est ce que nous allons voir. Nous allons donner un bonbon duel à Toad qui occupe actuellement la dernière place du classement. Cela suffira-t-il pour changer la donne? À partir de maintenant, vous n'allez plus faire le voyage pour rien. Nous allons larguer des sets de pièces sur les cases rouges et une pièce sur toutes les autres. Yahoo! C'est une nouvelle surprise que je sors de mon chapeau. Allez vite rattraper ces pièces bonus. Voilà qui va pimenter un petit peu la sauce. Tout peut arriver dans ces 5 derniers tours. Donc voilà, vous l'avez compris, sur chaque case, il y aura donc soit une pièce, soit un sac de pièces. Les pièces vaut donc une pièce et les sacs en valent 5. Voilà. Donc Wario a obtenu un bonbon triple qui lui permettra de lancer 3D. Et maintenant, c'est au tour de Daisy de jouer, donc on va voir. Voilà, hop, plus 4 pièces, plus 3, parce qu'elle est sur une case bleue.
Alors je rappelle un petit peu vite fait les cases. Donc les cases bleues vous permettent de gagner 3 points. Les cases rouges vous permettent de perdre 3 pièces. Les cases vertes sont les cases événements, donc il va arriver un truc spécial. Les cases chance permettent d'obtenir une étoile. Voilà. Donc toi, Adam, mangé un bonbon vampire qui lui permet, en lançant une fléchette, de choisir combien de pièces il va enlever à chaque joueur. Là, il a enlevé 10 pièces à moi, Wario et Daisy. Ce qui lui a permis de les prendre et donc de récupérer les 30 pièces en total qu'il a pris. Voilà. Donc vous l'aurez compris, plus on va faire un nombre, un grand nombre, et plus on va récolter de pièces sur le chemin, sachant qu'elles ne réapparaissent pas. Alors il a intérêt à payer le... Ouais. Il avait intérêt à payer la navette dauphin parce que s'il faisait deux, il allait tomber sur la case Bowser. Voilà, terminus. Les joueurs sont assez loin, donc je vais pas risquer d'utiliser un bonbon. Je joue le 1D. Hop, je vais prendre la navette dauphin, j'ai les moyens. Si je paye 30 pièces, j'ai le droit d'avancer de 30 cases. Là, franchement, ça vaut le coup. Je sais plus combien de cases il me reste à faire. Donc là, je vais aller assez loin. Hop. Bon, je récupère 5 et je perds 3, donc j'ai gagné 2. Mini-jeu suivant. Ah, mini-jeu 1 contre 3, tout seul contre les autres. Alors, sur quel jeu va-t-on tomber ? L'ascenseur infernal. Alors va falloir que j'aille tout en haut de l'édifice sans que les autres ne me touchent, sinon je perdrai du temps. Tout simplement. Ne tirez pas, je suis innocent! Et vous allez voir que c'est pas simple. Ah, je m'en suis pris une. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Eh ouais. Ils sont malins, les gens. On punise. Ah mince, je suis bloqué. Ah, je vais pas y arriver. Eh, il me reste 5 secondes. Donc, les autres joueurs vont gagner. Oh, attendez! Ah, j'aurais pu, mais ça s'est joué à très très peu, pardon, j'arrive même plus à parler. Faut dire que là, je suis en train de faire, ça fait 1h30 que je parle, donc j'ai très mal à la gorge, parce que je parle assez fort en fait. Je sais pas si vous m'entendez très très bien. Mais j'ai pas d'autre choix, donc... Il nous reste 4 tours. Après, je vous montrerai donc les autres choses qu'il y a dans dans le jeu. Donc, je ne vous montrerai pas l'arène bataille stellaire parce que c'est exactement le même principe que ce qu'on voit là, un jeu de plateau. Elle a utilisé un bonbon duel, ce qui lui permet de lancer 3D, ah non 2D pardon, et si elle rencontre quelqu'un, elle le provoquera en duel. C'est ce qu'on va voir actuellement, un duel entre Daisy et Wario qui va l'emporter. Donc elle va lancer la roue à la fin du mini-jeu. Là, voilà. Ah, égalité.
Voilà, donc nous on voit pas bien sûr à quoi ils ont joué. Ils ont fait égalité. Alors si quelqu'un, si Daisy avait gagné, elle aurait remporté 10 pièces. Sinon je crois... Ah ben voilà, on va avoir un exemple avec Todd et moi. Donc Todd est en feu. Vite, éteignez-le. Voilà, ça sert à rien de lancer 12 000 fois le dé. Alors sachant que là il fait 10, mais son dé sera pas conservé. C'est-à-dire qu'il pourra pas faire 10 après. Alors, il faut que je gagne ce mini-jeu. Je crois pas que ce soit 10 pièces en fait. Hein. Il vient de dire qu'on allait lancer une fléchette pour voir ce qu'on va gagner ou perdre. Alors, le mini-jeu duel, donc ça oppose deux joueurs sur Acrobat. Donc va falloir faire du baseball. Du baseball, donc il va falloir donner un coup de remote. Donc, sachant que le record est de 17 sur 20. Fait bien sûr par moi. On va voir le sens du rythme. Je vais essayer de battre 17 points. Ah, celui-là, quand il fait les vicieux comme ça, j'y arrive pas. Ah si, c'est bon. 18. Et c'est un record battu. Je vais essayer de faire 20 la prochaine fois. Donc voilà, nouveau record. 18 balles de baseball envoyées. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Voilà, chargement en cours. J'ai remporté le duel. Et je peux remporter donc jusqu'à 20 pièces. Et c'est le cas, je vais donc remporter 20 pièces. Je vais voler 20 pièces à Toad qui vont être créditées sur mon compte. Donc Toad se retrouve avec 25 pièces et moi 130. Et oui Toad, il ne fallait pas me provoquer en duel, me contrarier à ce point. Parce qu'en plus je viens de perdre 3 pièces comme un gros couillon. Allez, c'est un bon tour. Non, j'utilise toujours pas de bonbons, il n'y a personne devant moi. 8. Ah, et je vais retourner au départ. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis en tête pour l'instant avec 4 étoiles, mais comme le disait si bien notre ami, je sais plus comment il s'appelle. Non, j'ai oublié son nom. En même temps, c'est normal, hein. Je rappelle que j'y ai pas joué durant un an et demi, hein, donc c'est tout à fait normal que je ne m'en souvienne plus de son nom. Mais c'est pas grave, il me semble que... Bon, je sais plus. Donc voilà, Toad contre moi, Wario et Daisy sur piège en skate. Voilà, nous on va devoir éviter les pièges que va nous lancer Toad et arriver jusqu'à la fin du parcours. Voilà, valou. Donc lui, dans un engin volant. C'est parti. Ah, déjà, Daisy la conne s'est plantée. Attention. On survit 30 secondes. Oh putain. 5, 4, 3, 2, 1, finish. Allez, moi, Daisy et Wario avant d'en gagner 10 pièces chacun. Voilà, même si Daisy s'est foirée, c'est un travail de groupe, donc le groupe est récompensé. Voilà. Donc là, vous avez le classement provisoire. Pas final pour l'instant, vous l'aurez peut-être durant cette vidéo ou la prochaine. Je sais pas combien de temps on en est. On en est à 20 minutes déjà. On va falloir faire vite alors. Si on veut avoir le dénouement final. Voilà, 8 cases. Il a fait 8 dans le dé, donc il pourra avancer de 8 cases tout à l'heure. Donc, 16.
Allez, c'est parti. Autour de Daisy. Donc tous préfèrent bien sûr dépenser des pièces pour prendre les navettes dauphins, hein, c'est normal. Moins 3 pour Daisy. À toi. 15 événements. Hop, il obtient un bonbon rebond. Donc on l'a vu 172 fois. Hein. Non, ils sont trop loin par rapport à moi. Je préfère lancer un dé. J'en case. Oui. Oh, j'ai de la chance. J'ai de la chance, je tombe sur une case de chance. Je vais donc pouvoir aller sur l'île que vous avez vue durant le premier épisode. Enfin, la première vidéo plutôt. Donc, il va me permettre de récupérer une étoile supplémentaire. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, et ça, on verra ça au prochain tour. Tout à l'heure. Ah ouais, on va. Mini-jeu 1 contre 3. Wario tout seul contre moi, Daisy et Toad. Comme tout à l'heure. Et ça va être attention. Il va falloir faire très attention à ne pas se faire percuter par Wario ou à tomber dans le vide. Je regarde combien de temps on en est. On en est à 23 minutes. Allez, c'est parti. On doit survivre 30 secondes. Oh merde, il m'a éjecté. Allez. Allez, Daisy. Allez, Todd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oui, victoire. À toi de nous a sauvé la vie, bravo. On l'applaudit. Allez, on continue. Il en reste deux tours. Hein. Il va falloir faire très vite parce que j'ai l'impression que la capture va bientôt couper. Donc vous aurez ça sûrement dans une cinquième partie. Donc là, bonbon triple permet de lancer 3 dés. 8, 7 et 3, 18. Et une troisième étoile pour lui. Yeah.
cases rouges. Moins 3 pièces. Daisy. Sûrement une quatrième étoile. Sur 7 et 1. Bon, elle a fait 10. Donc une quatrième étoile. Mais bon, je suis toujours en tête car j'ai plus de pièces qu'elle. Elle en a 15. Je crois que j'en ai 149. Ça, c'est moi qui bouge la manette. Un bonbon trompe. Une case bleue. 3 pièces. À Todd. Case rouge, moins 3 pièces. Alors à moi, je suis donc sur l'île au trésor, entre guillemets. Donc là, c'est ça, hein, j'utilise des bonbons. Voilà, 10. Hop, une étoile supplémentaire. Ça m'en fait donc 5. Alors, on revient donc sur le terrain initial. Et j'utilise le transport dauphin pour pouvoir avancer de 20 cases et donc être plus près du Goomba pour avoir peut-être une sixième étoile. On verra. Hop. Et Todd va peut-être avoir sa deuxième étoile. Donc on va voir ça au prochain tour, qui sera le dernier. Jeu 2 contre 2. Moi, Daisy contre Wario et Todd. Carotte émaillée. Donc un enlèvera les carottes, l'autre tapera les taupes. Alors moi, j'ai quoi? Ah, j'ai la carotte. J'ai la carotte. Je devrais donc arracher les carottes du potager pendant que Daisy va devoir taper les taupes et ainsi pouvoir progresser dans le ramassage des carottes. Déjà. Hop. Un jeu de rapidité. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, évidemment, on a gagné. Et on arrive donc au dernier tour. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, vous le saurez dans la dernière partie du jeu de plateau. À tout de suite.